Allô? Oui, allô Aiden? Oui. Oui, je suis en vidéo là, j'avais juste une question à te poser. Je vais t'envoyer une photo, si tu la trouves belle ou pas. Parce que j'ai demandé aux abos dans les commentaires s'ils la trouvaient belle, je te l'envoie en PV. Tu me donnes ta D'accord. réaction en vidéo, ok? OK. Ok, tiens, je t'envoie la photo. Tu me dis si tu trouves belle la voiture ou pas. Je te l'ai envoyée. Genre tu me demandes mon avis? Oui, ton avis. Alors, parce que moi j'ai une question en fait. Vas-y. Est-ce que tu me demandes mon avis ou alors c'est pour après marquer Aiden dans le titre? Non, 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 pas du tout. Juste ton avis. Je rigole, ok. Mais oui, cette Ben. voiture est juste magnifique, incroyable, hein. Et puis le logo de la salle, incroyable. Ok, je la trouve belle. Ah, magnifique. Mais fais gaffe à... Hey, fais gaffe à pas la casser, hein. Non, t'inquiète. Tu sais c'est quelle voiture dans la vraie vie? Ah, moi je pense que... Me dis pas, t'as volé la voiture de la salle? Arrête, oh. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Non, sérieusement, tu sais c'est laquelle ou Celle-là, pas? c'est une... Attends, c'est une quoi ça déjà? Ah, je sais plus. Sais pas? Attends, si ça me dit quelque chose en plus. Allez, Allez, vite. donne-moi un indice. Ça commence par Mac. C'est une McLaren? Voilà, bravo Eden, félicitations, bravo, Ouais, voilà. c'est la McLaren en plus, ça c'est vrai. Voilà, donc voilà, c'était juste pour savoir. Vas-y, merci, c'était un avis. Très belle, très belle. Et likez, partagez. Hein. Ah, et Ah. commentez surtout. Vas-y, merci. Allez, À à la l'heure. prochaine. Salut à tous, c'est Mokey. Aujourd'hui, on se retrouve avec une voiture assez spéciale. Donc, on se retrouve avec une voiture avec le camo LaSalle. Donc, la voiture est incroyable. Nous pouvons le dire. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est la couleur. Donc, écoutez, bien joué au modeur, enfin, celui qui a fait ça. Je mets tous les liens en description pour ceux qui veulent la télécharger. Et la chaîne du modeur, etc. Donc voilà, c'est parti, on va aller custom tout ça ensemble. Dites-moi si c'est possible, enfin, je vais surtout demander au modeur, celui qui a fait ça, si c'est possible qu'il fasse une Aiden ou même enfin les autres membres de la team, je lui demanderai. Si on peut, je sais pas, écoutez, merci de sa part. Déjà, juste ça, là, la voiture, là, elle est juste magnifique. Malheureusement, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas les autres membres. Une Aiden, etc. Comme je viens de vous le dire, voilà quoi. Donc, je verrai avec le modder. Donc, voilà, on va aller custom ça. Et donc, voilà, petite, comme d'hab, hein, dans la vidéo, petite devinette. Quelle est la voiture qui est ici, là, actuellement? C'est quelle voiture? À vous de me dire tout de suite dans les commentaires c'est quelle voiture dans la vraie vie. Et enfin non, elle lui ressemble, c'est la voiture, mais voilà quoi. La marque, vous ne la connaissez sûrement pas. Donc c'est parti, nous allons custom. Alors franchement le logo il est bien. Ah oui, j'avais pas vu. Ok, il y a aussi sur toi. Ça c'est l'ancien logo. Donc je tiens à vous dire, ça c'est l'ancien logo et il y a un nouveau maintenant. Sinon franchement, écoutez, il n'y a rien à dire. Ouais, donc je disais c'était les. C'est l'ancien logo. Plutôt bien réussi. Regardez, YouTube FR. Il y a même le truc YouTube. La plaque. La salle. Donc voilà. Ceux qui veulent la mettre sur leur voiture, n'hésitez pas. Vous pouvez. Je vous mets le lien. Alors. Ouais, comme d'hab, j'ai CR7. Ouais, désolé les gars, j'ai CR7, mais bon. Je sais pas, il est avec Michael. J'arrive pas à l'enlever. Éclairage. Ok. Plaque. On va laisser du blanc. Motif. Ok, il y a plusieurs motifs. Ok. Écoutez, non, on va laisser celui de la salle. Toi. Non, ça. Ok. Ça, c'est pas à modifier. Suspension, voilà. Hop. Transmission, voilà. Turbo, voilà. Je vais tout doucement parce que dans les commentaires, on m'a dit d'aller tout doucement. Et fenêtre. Voilà. Là, les gars, ça, c'est une voiture babouin, les gars. Ça, c'est une voiture de babouin. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Attendez, j'ouvre. Voilà, je m'en doutais. Je me suis dit, la porte, elle s'ouvre comment et tout. Regardez, déjà là, il y a du carbone. On voit, c'est du lourd. Franchement, c'est bien modélisé, même à l'intérieur. Écoutez, attendez, je vais mettre le snipe. Alors, grand écran ici. Wow. Ah ouais, j'ai même pas vu sur le volant. Il y a écrit la salle aussi, regardez. C'est plutôt pas mal. Sinon, le volant, c'est un volant de F1, ça, si je me trompe pas. Hein.
Et la voiture, je pense que... Bah, c'est du lourd, là, il y a le V. C'est quoi, c'est écrit quoi, là? V10 ou V12? Je sais même pas. Dites-moi, c'est quoi comme moteur? La salle aussi, encore ici, regardez. Ah ouais, il a écrit la salle vraiment partout. Hein. C'est abusé. Hein. Il a écrit où? Tuto. Bah voilà, c'est lui, il s'appelle comme ça. Donc je vous mets le nom. Il l'a mis ici, il l'a incrusté ici. Pneu Michelin, franchement, c'est bien fait. Sinon, GTAV, voilà, il a mis un petit truc GTAV ici. Numéro 1. Franchement, bien joué. Numéro 1, numéro 1. Il a pas tort. Bah écoutez, c'est juste magnifique. Il y a la salle là. Enfin, c'est écrit la salle partout. C'est abusé. Même, regardez même là, là, je viens de découvrir. La salle. Ah, ok. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer l'intérieur comme ça. Qui est plutôt... C'est bien modélisé. D'habitude, les modes, enfin, les voitures sont pas trop bien modélisées. Regardez l'intérieur. Regardez ce que ça fait. On accélère. C'est plutôt stylé, les gars. C'est stylé. Je peux vous dire que rouler avec ça en session... Bah déjà, il n'y a personne qui l'a. Et on peut se la péter avec ça, les gars. Je vous le dis. Hein. C'est magnifique. Hein. Ok. Bah écoutez, on va juste tester... écoutez, déjà, on va installer un compteur. Tout simplement. Donc, on va s'enlever à la vue la première personne. Alors, le compteur, c'est où? C'est où, mec? Speed moteur, je crois que c'est ça. Voilà. Digital, analogue. Bon, écoutez, c'est bon, c'est ça. Light theme, dark theme. Ok, là on peut changer. Écoutez, on va mettre. Il n'y a pas de rouge. Dommage, dommage, dommage. Il n'y a pas de rouge. Attendez, je regarde là ici. Orange. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est celui-là qui va le mieux. Donc c'est parti, on va avoir le 0 à 100. On va aller à l'aéroport tout de suite. Allô? Allô? Ouais, tu fais quoi? Ouais, nuit, non, je suis en vidéo là, solo. J'avais une question à te poser, un avis. Ouais. Oui, t'es mute? Oui, bah je t'envoie une photo là, tu me dis tu préfères la... c'est ce que tu enfin tu préfères laquelle? Enfin tu me dis si tu la trouves belle ou pas, ok? Attends. En vidéo, hop, je t'envoie le lien parce que je voulais avoir l'avis de d'à peu près tout le monde. Et attends, je t'envoie, tu me dis si tu trouves belle la voiture ou pas. Alors, dis-moi, je l'ai envoyé. Alors? Ouais, bah quoi? Tu la trouves belle ou pas la voiture? Ah oui, pas mal. Belle? Ah oui. Tu kiffes? Pas mal. Ok, merci. Bah c'était juste pour savoir, là on est en vidéo, tu veux faire un coup de pub? Bah je voulais dire que tout à l'heure t'as fait parce que t'as pas voulu faire le manège. Voilà, ça rentrait pas, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Vas-y, merci Edwin. Allez. Non, on la prend pas, on la prend pas. On n'a pas le temps de niaiser. Petite M4, regardez. On croise vraiment des véhicules, franchement. Une M4, des Ferrari, des Merco. Attendez, c'est pas fini là, j'en suis sûr, on va avoir des autres trucs encore. Non, ça c'était pas c'était pas un véhicule un modé. Il y a quoi d'autre? Une course. Ah bah, c'est quoi, on va faire une course? Ah, contre une Lambo. Allez, c'est parti. Je paye 1000$. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Allez. On va voir ce qu'elle peut donner. Waouh. Et le Huracan en plus. Regardez, on joue contre quoi, les gars. Allez, allez, ça pousse. Allez, c'est quoi son pseudo? Lui, on va le virer. Ah, je rigole. Pousse-toi, pousse-toi. Ah oui, je leur mets une tempête, les gars. Ah ouais, c'est laquelle voiture, celle-là? Enfin, sur GTA. Elle est magnifique. Je peux pas voir. Dommage. Mais en tout cas, elle va vraiment, vraiment vite. Hein. Ok, 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 ok. Bah écoutez, je crois que je l'ai déjà faite en plus la course là. Donc je crois que je connais le parcours par cœur. Je l'avais fait au début. Ok. Ah, je suis nul moi au cas où. Je tiens à vous le dire. Hein. J'ai le camo. J'ai le camo de la salle, mais j'ai pas le niveau. Hein. Je vous le dis. Cash. C'est nul.
Pour l'instant, ça va, je fais pas de grosses erreurs. Mais d'habitude, pour ceux qui regardent les vidéos, les courses, hein, je suis nul. Hein. Enfin, nul. Je bats Unui et Aiden, quoi, voilà, sans me vanter, voilà, je les bats. Faut le dire. Mais sinon, voilà, quoi. Sinon, je suis nul. Le mec qui se jette des fleurs. Vous savez quoi, putain, on va mettre la première personne. Ah ouais, le compteur, il est vraiment stylé. Hein. Regardez la salle, là, ici, là, sur le volant. C'est un truc de ouf. Okay. On a déjà fait un tour. Ah oui, déjà. Oh. Ok, bon, bah, je pense que c'est fini. Hein. Ça sert à... Je pense, hein. Je pense que ça sert à rien de continuer. Ah oui, ils sont derrière, quand même. Ouais, mais c'est un bug. Vu l'avance que je mets, c'est impossible. Genre, il reste collé. Allez, hop, voilà. Voilà, j'ai parlé trop vite. Ça y est. La course est finie pour moi, les gars. La course est finie pour moi. Et je peux pas tirer, sinon ça va... Sinon, la course, elle va s'arrêter. Allez, objectif, on a... On fait le truc. On arrive premier. Allez, 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 allez. C'est faisable. On dirait qu'ils accélèrent pas, regardez. Regardez, je me mets à côté d'eux, on dirait... Qu'est-ce qu'ils font? Franchement, les bots sur GTA en course, c'est vraiment... Ils sont nuls, hein, faut le dire. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ils sont vraiment nuls. Allez, bon, moi, je pense que c'est fini, à moins que la poisse... La poisse surgit comme ça d'un coup et viennent m'attraper le coup comme ça m'a fait durant le manège. D'ailleurs voilà, je vous explique l'histoire. J'étais au manège et j'ai fait un manège, donc il y avait une lune et tout, etc. Et bah en fait j'arrivais pas à... Le gars il arrivait pas à me faire rentrer dans le truc en fait. Dans le siège, il m'a dit que j'avais un dos. Un trop gros dos, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, toi avoir gros dos mon ami, non, je veux pas arriver premier, oh, oh la poisse, voilà la poisse, à la fin les gars, quand je vous dis que je suis un poissard, je vous le dis à chaque fois les gars, bon bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on va se laisser sur ça, allez.